Hey, vous saviez qu'on a une nouvelle définition du kilogramme? Alors, je vous explique, c'est pas compliqué, hein. En fait, le kilogramme, il était défini en référence d'un cylindre de platine et d'iridium qui pesait un kilo très 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 précisément. Et bon, c'était la référence mondiale, hein. Ce cylindre est conservé près de Paris depuis 1889, hein, sous une cloche et tout. C'était la référence, quoi. Et puis depuis le 20 mai 2019, eh ben on a changé de référence. Maintenant, je crois qu'on est dans le quantique. J'ai pas tout compris. Enfin bon, c'est plus la référence le cylindre. C'est génial, c'est génial. Si ça se trouve tel que vous me voyez maintenant, je fais plus que 40 kilos, quoi. Ben, on a changé le, hein. Ah non, mais ça change pas le poids. C'est toujours le même. Oh, ça fait chier. J'ai cru que j'avais maigri sans faire de régime. Ah, je suis déçu, hein. Ah, je suis malheureux, déçu. Alors, les mecs, ils te donnent de l'espoir, tu vois, puis après, t'apprends que c'est comme avant, quoi. Après, tu te demandes pourquoi des gens votent Front National, quoi, tu vois, ou mettent des gilets jaunes, quoi, ou qui crient Macron démission dans la rue, hein. Bah voilà. On se demande, des fois, pourquoi. Bah voilà.